Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais repoter un poteau doré que je viens d'acheter. Je vais faire ça sur le balcon. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de circulation et que vous m'entendrez bien. Vous avez déjà sûrement vu ça si vous êtes adepte des vidéos de jardinage. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas parler d'autre chose aussi. Et en fait, j'ai des anecdotes assez rigolotes parce qu'aujourd'hui, je suis allée aux États-Unis. Mais passer la frontière n'a pas été aussi facile que je ne pensais. Alors d'abord, je vous montre juste. J'ai mis le pot à tremper pendant une petite demi-heure là, pour pouvoir le dépoter facilement. Là, j'ai deux pots. Je pense que je prends le plus petit pour en côté. Oui, ce sera très bien. Voilà. Donc ça. Alors aujourd'hui c'est le Canada Day et donc on ne travaille pas ici au Québec le 1er juillet. Oh là là, oui, regardez, il a vraiment besoin d'être rempoté. Regardez-moi toutes ces racines. Et je me suis dit, allez, il fait super beau, prends la voiture, va faire un tour et va voir comment ça se passe à la frontière. Je peux passer comme ça, ça pourrait être sympa d'aller faire un tour et en même temps te renseigner pour des prochains trips aux États-Unis. Donc j'y vais, je pense quand même à prendre mon passeport et aussi mon working holiday visa pour le Canada. Pour justifier que je suis française mais que je vis au Canada. Je mets du gravier au fond. Et en fait, donc, je suis allée sur la route principale, il y avait énormément de monde qui est passé la frontière. Donc, j'ai attendu pas mal, heureusement j'avais un bouquin. Je suis en train de lire Vox en ce moment. Donc je bouquine. J'arrive enfin au guichet. Et là, l'officier me demande: où est-ce que je vais aux États-Unis? Le nom de la ville. Je lui dis, je comptais juste aller prendre des photos, me balader. Il me dit, mais le nom de la ville. Je lui dis, je sais pas. Ah, vous savez pas où vous allez, madame. Ah, vous savez pas où vous allez. Et il me repose la question trois fois. Il me parle d'autre chose, il me repose la question. Et où est-ce que vous allez aux États-Unis? J'ai pas réussi à le convaincre parce que bon, je savais pas. J'ai dû poser ma voiture, faire un peu plus loin et aller dans un bureau. Parce qu'en fait aussi j'avais pas. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais le mettre après. Bon, en fait, un sorte de visa tourisme 3 mois pour les États-Unis. J'avais pas ça. J'avais pas fait la demande sur internet, ce qui est possible. Donc là j'étais flippée. Il était vraiment, vraiment pas sympa l'officier. Il était vraiment désagréable. Du coup, je me disais, oh là là, mais pourquoi j'ai décidé de venir aux États-Unis? Non, mais les Américains, ils sont vraiment, vraiment pas cool. J'avais à moitié plus envie d'y aller. Et en fait, mon avis a vraiment changé grâce à l'officier suivant, qui lui a été très très sympa. Donc, il m'a posé la même question, hein. Où est-ce que vous allez aux États-Unis? Donc là, je dis, je veux prendre des photos juste de l'autre côté de la frontière, aller voir un petit peu. Je rentre ce soir, je viens juste passer la journée. Et ça va, il a compris, il m'a pas regardé d'un air dédaigneux ou quoi que ce soit. Il m'a fait remplir un papier de demande de visa temporaire. Et il y avait marqué partout, ne prenez pas votre téléphone. Ah oui, d'ailleurs, avec le premier officier, j'ai voulu regarder sur mon téléphone le nom de la ville où j'allais. Et quand j'ai pris le téléphone à la main, il m'a genre gueulé dessus. Oh, no, my phone there. Oh, pardon. Donc avec le deuxième officier, je lui demande, est-ce que je peux prendre mon téléphone et regarder le numéro de téléphone de ma mère dessus? Et
Et ce faisant, j'avais donc le GPS qui était activé. Donc je lui montre, ah oui, regardez, c'est là que je veux aller. Et là, super sympa, il commence à faire son guide touristique en me disant, ah oui, là-bas, si vous voulez prendre des photos de la nature, il y a le bout du lac Champlain, il y a telle rivière. Vraiment, vraiment super sympa. Donc, ouais, ça m'a bien fait changer d'avis sur ma première impression des Américains. Ah oui, et puis l'autre anecdote, c'est que vous pouvez remplir un papier, mais il faut aussi payer un visa. Ça coûte que 6 dollars. Il faut les avoir, les 6 dollars. Et là, vous allez vous dire, enfin, Marion, t'avais quand même de l'argent sur toi. Alors oui, j'avais des dollars canadiens, mais il n'en voulait pas. Et j'avais une carte de débit. Et elle ne passait pas. Il faut que ce soit une carte de crédit. Et ma carte de crédit française est ici, dans ma commode. Donc là, je me disais, non, mais c'est pas vrai. c'est pas vrai. Il va me faire. Il va me dire de repartir et de venir avec 6 dollars, quoi. Et là, vraiment, il était sympa. Et pourtant, il faisait peur. Il avait un gilet pare-balles, il avait un peu un bouc là, il avait pas l'air commode quand je l'ai vu au début. En fait, vraiment un amour. Il me dit, bon, c'est bon. Il m'a donné mon visa, il m'a même pas fait payer. Vraiment, vraiment sympa. Donc, voilà la petite anecdote de mon passage de frontière aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait rire. Moi, en tout cas, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je prépare un petit peu mieux mes déplacements. Et puis, bon, c'est quand même reconnu que les Américains sont un peu flippé sur les étrangers qui viennent dans leur pays. Donc, ouais. Après, bah, ça s'est vraiment bien passé. J'ai croisé une dame à vélo qui m'a dit oh, hey, what a beautiful day! Vraiment, ouais, vraiment cool. Très sympa. J'ai vu beaucoup de gens qui pêchaient, du coup, je suis allée près d'un lac et puis au bord de la rivière. Voilà. Des Américains très gentils. Donc j'ai passé la frontière dans l'autre sens au retour, dans l'après-midi. Et sur le chemin, j'ai vu une énorme boutique, enfin c'est pas une boutique, c'était un énorme entrepôt de plantes. Donc je me suis arrêtée, je me suis dit, je vais juste regarder, je vais juste jeter un coup d'œil. De toute façon, ils ne doivent pas avoir de plantes d'intérieur. Ça va être que des plantes d'extérieur, je vais regarder ce qu'ils ont, ça va être joli, ça va être sympa. Et puis ben, ils avaient des poteaux. Et si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous avez vu que j'ai des boutures de poteaux, mais j'ai pas de vrais poteaux. Tout bien, avec des belles lianes. Il était à 12,50$ plus taxes. Du coup j'étais quand même. T'en as pas besoin. Tu vas bientôt des boutures de poteaux. Et puis il avait une liane qui était abîmée. Je suis allée voir la vendeuse et je lui dis oh, il est un peu abîmé, puis c'est le dernier, c'est vrai que c'était le dernier poteau. Est-ce que vous pouvez me faire un prix? Et là elle me dit oh non, mais il a l'air en bonne santé, mais par contre il y a 25% sur toutes les plantes aujourd'hui. Ah bon ben je le prends. Et j'en ai eu pour 10 dollars taxes. Donc j'étais contente. Hop, alors je finis de mettre de la terre. Ah, j'ai oublié de mettre la nourriture qu'on plante, comment ça s'appelle, du fertilisant. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je mettrais juste du fertilisant à mettre dans l'eau. Normalement j'ai des granules aussi, mais bon. Ouais, allez, on va dire que c'est bien. Vous voyez, c'est un peu dégagé ici, il n'y a pas grand chose. Mais, il y a tous. Donc, j'ai pas l'espoir que ça pousse de ce côté-ci aussi. Bon, ben voilà. Voilà le rempotage de poteaux, c'est la petite histoire de mon passage aux États-Unis aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu.
que le bruit. Ouais, j'espère que vous m'aurez entendu. Bon, je pouvais pas finir cette vidéo sans vous montrer où j'installe mon pothos. Voilà, dans la bibliothèque, sous le chlorophytum.